dépêche. Okay. Yes, ok, ça marche. J'avais peur que, vu qu'il soit en alerte, ça marche pas en fait. Que genre j'ai pas le prompteur. Ça va. Ça va, c'est cool. Alors voyons un peu aux alentours. Montre ta poitrine. Tout est plein. Ils seront sûrs. Je peux plus rien prendre. Comme dans Fear Effect. Ça va, t'es bien. Ah, du coup, on va reprendre ça avec nous. Ah merde, peut-être qu'elle va le faire tomber si, si je dois escalader. Non, ça va. Équipe première, qu'est-ce que vous foutez encore à chercher la boîte? Il y a des ennemis dans votre coin. Docteur Dominguez a dit... J'en ai rien à foutre du docteur Dominguez. Trouvez Lara Croft et tuez-la. C'est fou comme les paramètres changent vite. Comment ils veulent qu'on trouve Croft? On est trop dispersés pour ça, on est venu là pour faire des recherches. On va se séparer et faire du mieux qu'on peut. Je vais couvrir cette zone. Toi, tu restes là. Faut fouiller dans chaque recoin. Si vous la fermiez peut-être un peu plus et que vous ouvriez vos esgourdes et vos yeux, franchement, ça se passerait beaucoup mieux, je pense. Elle est peut-être par ici. Parce que là... Le show où il n'y a pas de scène lesbienne alors que... Lara Croft. Moi je trouve ça persévérance admirable. Ah oui, le dernier. Ah oui, ouais. Exact, exact. Sedna qui était... oui, qui était pas bon. C'est exact, il n'y avait pas de scène lesbienne alors que ça, il aurait pu en avoir. Salut Manti. Bouge. Mal placé là. On va devoir bouger. Il est obligé de te montrer. L'ennemi a abandonné le combat, je la cherche. Ça pourrait être là. Tout va bien. Et si je lâche mon arme, tu veux bien te montrer? Non! Oh la colle! J'ai pas voulu faire ça, hein. J'ai pas voulu faire ça. Ah, du coup, on est mal placé. À chaque fois qu'on va refaire surface, ils vont nous voir. On va se les faire comme ça, ça a l'air d'être le plus simple et, le plus safe. Hop. C'est vraiment un peu exploité le jeu, je dois dire, comme ça. C'est stylé, mais c'est con, quoi. Refais-toi la queue de cheval. Il nous faudrait de la boue par contre. On a perdu la boue. Ah mais je crois que tout le monde est mort, ça y est. Tout le monde est mort.
C'est vrai que c'est pratique pour nager, mais non. Toujours pas de silicone. Putain, ne balancez pas l'hélicoptère dessus. J'aime pas le vin. Ah, on a encore notre copine. La grenouille. Mais t'as ton grappin et tout, est-ce que t'as... Oh, ok, t'as le grappin. Ça. Alors, oh putain. Je suis sûr qu'on va se louper. Oh, il est à la con. Cardinal 2, comment ça se passe? Cardinal 2. RAS. Oh putain, elle a glitché contre le mur, j'ai cru qu'elle allait tomber. Équipe Kappa. RAS, chef. Allez. Ici Cardinal 2. La secousse, ça fait des dégâts, Juliette 3. Non, non. Au-dessus. Un glissement de terrain a emporté la plateforme de pompage. Pas d'incendie. Des arbres arrachés bloquent complètement le passage vers Kilo 2. Où est-ce qu'on va? Monte! Yes. Oh, yes! Un feu de camp! Mais merde! Je ne sais même pas ce que je dois faire. Je sais pas. Survie! Tout est morte. Rourke lui a tiré dans le dos. Je sais pas, la boîte et Jonah. Non! S'il lui arrive quoi que ce soit. Oh putain. Alors! Ça y est, on peut l'utiliser. Elle est énervée, ça y est. On a de nouvel équipement, alors. Augmente la durée de l'effet des plantes d'endurance. Je pense qu'on va mettre ça. Après, on a quoi? Résistance au corps à corps, mais bon. On sait pas vraiment taper au corps à corps. Je pense qu'on va faire ça. Résistance d'endurance et... déplacement furtif. Après, on a quoi? Ressources naturelles, non. Ressources fabriquées, non. Bonus d'élimination, ça. Non, on va rester comme ça, je crois. Quatre points. Prochain niveau d'amélioration d'armes. Immobilise ennemi sans protection avec une contre-attaque après une esquive. Ah ouais, ça c'est ça dont je parlais. C'est pas ultra utile, mais... Enfin, faut timer, quoi. J'aime pas timer. Des grenades empoisonnées. On va économiser pour faire les grenades empoisonnées. C'était une très très longue session hein, sans sauvegarder. C'était quand même un peu chaud. C'est le détail des missions d'un mercenaire engagé par les Trinitaires. Le Mexique, le Kenya, la Sibérie. J'ai aussi eu la plus jeune dans le viseur, mais Rourke avait reçu l'ordre qu'on la laisse en vie. C'est le salopard qui a tiré sur Anna. Salopard qui a tiré sur Anna. Bonjour, Lara. Qui me parle? Je te soupçonne de surveiller mes communications depuis le Mexique. Rourke. Commandant Rourke. T'as pris le temps de m'écouter. Maintenant, c'est moi qui t'écoute. Encore une secousse. Qu'est-ce que ça fait de savoir que t'es à l'origine de tous ces cataclysmes? De toute cette souffrance? Je sais ce que j'ai fait. La tête que t'as faite quand Dominguez t'a dit. Mais il a fallu que tu prennes la dague quand même, pas vrai? Eh ouais, t'as fait ta conne. C'est qui Rourke? Quelqu'un peut aller sur Google. C'est qui Rourke? À mon poste. Dans le deuxième jeu? On l'avait tué, non? Les gars sur la plage ont laissé filer Croft. Ça doit pas se reproduire. On va balayer la zone. Oh waouh. Y avait des trucs intéressants dans la cargaison? Des lunettes thermiques, messieurs.
Je passe devant. J'ai quelque chose. Où? Les ennemis peuvent voir Lara à travers les chaussures, mais pas à travers les murs. Merde! Je me suis trompé. C'était une bête. Ça vient, c'est lumière ou quoi? Je peux pas les faire marcher si t'arrêtes pas de me déranger. Je peux pas partir. Pourquoi c'est tellement pressé tout d'un coup? Rourke dit que Croft n'arrive pas ici. Oh putain. Ok, je me dépêche. Bah je crois que oui, c'était le général là qui... À un moment il nous attaque même en hélicoptère et tout, mais... Moi je l'ai tué à la fin. C'est parti. Rien de spécial, juste des bestioles. On va essayer de balayer toute la zone. Ça a l'air prometteur. Je l'ai tué avec une pierre ou alors une conserve que je lui ai jetée dans la gueule, je crois. C'était marrant. Comment on fait? On va voir ce qu'elle va faire. Bah là, pas grand chose si tu restes planté là. Oh merde. Oh merde. J'espère qu'elle marche, ces lunettes. Elle peut pas se cacher. Ah ouais, mais là... Non, non, vas-y, tuez-moi, tuez-moi. Élimination confirmée. Bon travail. Faudrait passer sur la gauche, je dis. Peut-être que le mec, si je fais une roulade, il me voit pas. Avant que le garde avec les lunettes revienne, en fait. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bonjour, Lara. Qui me parle? Je te soupçonne de surveiller mes communications depuis le Mexique. Rourke. Commandant Rourke. T'as pris le temps de m'écouter. Oula. Maintenant, c'est moi qui t'écoute. Encore une secousse. Qu'est-ce que ça fait de savoir que t'es à l'origine de tous ces cataclysmes? De toute cette souffrance? Je sais ce que j'ai fait. La tête que t'as faite quand Dominguez t'a dit... Mais il a fallu que tu prennes la dague quand même, pas vrai? Eh ouais. Attends, on a tué des gens là. Avant-poste. Lara Croft se dit... J'ai quelque chose! Où? Merde! Il apparaît pas dans le wiki, le général Rourke. Bon alors ça vient, ces lumières ou quoi? Ah, merde. Risque pas de les faire marcher si t'arrêtes pas de me déranger. Pourquoi c'est tellement pressé tout d'un coup? Rourke dit que Croft arrive pas ici. Ou dans le premier peut-être, okay, non? Je me dépêche. Celui-là qui a tué Anna, je vois pas de quoi de qui il parle en fait. C'est pas quelque chose, tes lunettes? Rien de spécial, juste des bestioles. On va essayer de balayer toute la zone. Dépêche, dépêche! Oh la vache, t'es lente! T'es sûr qu'elle est là? Yes. Surtout, récupère pas son fusil à pompe parce que ça serait trop utile. Elle peut pas se cacher. Dépêche, 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 dépêche. L'autre il fait le tour, dépêche. Je vois rien. Et toi? Rien. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tu peux te cacher. Faut... Ça servira à rien. Faut tuer celui-là qui fait la patrouille là. Et après on fera les deux. On pourra faire les deux en cocktail Molotov. Vas-y, il y a un cadavre là. Tu veux pas voir? Voilà, bien. Font quoi les autres? Faut que j'aille voir ce qui se passe. Ça marche. Ok, on est dans la merde. Passer le secteur au pain. En avant. Bah, ça dépend.
que je regarde ça de plus près. Faudrait voir ça de plus près. Restez groupés. Faites-les si vous voyez quelque chose. Tu dois pas être bien. Tu dois pas être loin. Eh là, tu vois quelque chose, toi ? Mets bien le QG. On la tient, plus qu'une question de temps. Ok. Dépêche, dépêche, dépêche. Mon Dieu, qu'est-ce que t'es lent pour tuer les gens. Voilà. Ouh. C'est méga stressant. J'ai pas assez de place pour ça. Franchement, le coup de voir là, on a bien fait de débloquer ça. Ah, on pouvait saboter. Là, c'est vraiment cool qu'on puisse voir les ennemis à travers le décor maintenant. Ça, peut-être légèrement un peu. Je peux plus rien prendre. Ça rend un peu le truc facile, mais. Ça, c'est. Ah, c'est des grenades frag. Je voulais faire du fumigène, moi. C'est les bleus, je crois, où on peut le faire, le fumigène. Ok. Oh non! Bordel, les gars, sortez vos lunettes! Laissez tomber. Bonsoir, Ralph. Bonsoir, Sam. Bonsoir. Tu vois quelqu'un? Je pense bien que je serais en train de tirer. Ah, il m'a pas vu. Oula. Ah, je crois qu'il m'a vu. Tu veux pas te retourner, sale con. Est-ce qu'il est buggé ? Allez, on y va. Je sais pas si c'est antithermique la boue. Hein. Je sais que ça marchait dans Predator, mais est-ce que ça marche vraiment? Il y avait écrit genre antithermique. J'ai pas eu le temps de lire, franchement. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes tutos qui nous mettent. Il vient de le dire, ok, ça marche. J'étais pas sûr. Je voudrais bien faire une élimination avec à deux personnes. Ça fait longtemps, puis c'est stylé. Qui va venir? Suivant. Encore Lara Croft, bordel, il faut qu'on l'arrête. T'en fais pas, ça va venir. Ouais, t'es si sûr que ça du nouveau matériel? Non, mais je suis sûr de Rourke. Attire-le! Allez, go! Merci. Merde. Ah,
mal. Ah ouais, là... Cible abattue. Ouais. Oula. Manette. Désolé, c'est la manette. Bonsoir, Ralph. Empêche la vie thermique de la repérer. Hein. Tu vois quelqu'un? Tu penses bien que je serais en train de tirer. Peut-être un peu trop tôt, non? Où il y a personne. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Imagine, il se cache. Sauf si la fille a parfaitement camouflé sa chaleur corporelle. Je la repérerai. Pourquoi dire ça? Opération loup solitaire. Tu parles d'un nom. Comme si c'était pas assez angoissant de chercher un truc dans le noir dans ces ruines. J'allais souvent chasser avec mon père dans ce genre de conditions. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. C'était des arbres morts. J'ai pas assez de place pour ça. T'as des conseils ? La proie peut bien faire tout ce qu'elle veut pour se cacher. Elle finira bien par faire une erreur. Tu l'as jeté une par terre. D'inattention. Oh la colle. Et c'est fini. Quand elle se plaque au mur, elle jette les objets qu'elle tient. En panne, pour changer. Alors, qui va venir? Parce qu'on a tué celui-là qui vient normalement. Ah, yes, cool. Eh, viens, Poncho. Il se passe un truc pas net. Merde. Poncho, approche. Je vais voir les feuilles. Personne. Ouais. Les feuilles ont des seins. Allez, regarde. Ah, bien. Croft est à moi. C'est bête qu'on puisse pas faire du bruit pour les attirer. Je vois pas pourquoi. On peut pas faire ça. Il y a encore 4 mecs, putain. Je me demande ce que font les types à l'arrière. Attrape-le. Ouais. Je sais pas s'ils vont me voir là, sur le côté droit. Le mec, s'il a une vue latérale quand même. Rourke veut du sang, je crois qu'il lui en veut. S'il a pas des œillères, il devrait me voir. Bon merde, il s'est pas approché. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ou alors on crée une grenade. Croft doit forcément commencer à fatiguer. Ah merde. Doit manquer genre 2 cm. Voilà. Qu'est-ce que... Ok, attends. Là, il va revenir. Pourvu que ça me pète pas au pied. J'ai pas d'humeur à déconner ce soir. Rourke veut du sang, je crois qu'il lui en veut. Waouh. Ok. Ok. C'était pas du C4 quand même, hein. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Putain. Bah maintenant, on saura que c'est vachement bien, ça. C'est bien que le décor prenne feu. Mais je crois qu'il y a quelques parties du décor qui peuvent prendre feu. Mais en tout cas, ça fait joli.
Aïe aïe aïe. Aha. Lara, est-ce que ça va? C'était le séisme. Je suis près d'une raffinerie, il y a tout qui explose. Non, Jonah, reste pas sur ce canal. Hein? Ils écoutent. Ok. Je te retrouverai. Je te retrouverai, Jonah. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'elle fait ? Chez les monstres là de The Descent. C'est la recette d'un hallucinogène utilisé en temps de guerre. Baba Yaga. Le retour. Évidemment, un arc en bois. Ça devrait m'aider. Pas mangé par les bestioles. Tout va bien. Si je m'en sers sur mes flèches. Ça pourrait m'être utile contre les Trinitaires. Ah. Peur du jaguar. Je dois dire que dans le 2, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup plus intéressant. À la base, c'était des flèches de poison. Et après, avec le DLC, on avait toute une histoire de Baba Yaga, là, qui faisait des expériences sur des champignons, tout ça, du gaz hallucinogène. Et après, on pouvait débloquer ça. Ça tenait la route. Là, non. Là, c'est juste parce que dans le 2, les gens, ils ont bien aimé ça, donc ils te le remettent comme ça, quoi. Mais j'aurais bien voulu que... Enfin, voilà, je sais pas... Enfin, tant mieux. On peut refaire Baba Yaga. On va dire que c'est maladroit la façon dont il le présente. La vérité. Les Trinitaires peuvent bien pourrir dans cette jungle. Quant à l'empereur de Paititi, même lui n'est pas en mesure de comprendre ce que représente cette boîte. Et je sais qu'elle ne doit pas être utilisée par qui que ce soit. Ce serait un désastre. Seuls les plus purs d'entre nous peuvent décider de la manière d'utiliser la puissance de la boîte d'argent. Voilà pourquoi je dois la cacher. Ok. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Équipe Tao, Croft est sur un vecteur dans votre direction. Je répète, Croft arrive vers vous. Putain de merde. Chut. On l'aura, chef. Montrez-moi son cadavre, et toute votre équipe aura droit à une formation de Deacon. Rook, terminé. Vous avez entendu? Au boulot! On est trop nombreux pour elle. Là, c'est con parce que je peux l'accrocher, le mec, avec le grappin, normalement. C'est parti! C'est pas un gaz. En fait, faut tirer sur la personne. Et après, il meurt. Ah, voilà. Ah, c'est bien. Maintenant, elle descend plus. Elle reste sur la branche. On a appris la deuxième habilité. Elle a aucune chance. On peut le grimper. Il faut avoir plus de lumière par ici. Le QG a du mal à me recevoir. Dès que ce sera reparti, on pourra booster ton signal.
Eh ben merde alors. C'est tout. Hey, ça va? A plus Orion. C'est peut-être un peu trop facile, non? Un peu trop OP, non?